Benvinia is a young man who is passionate about cinema and literature. He works as a photographer and identifies himself as a committed one. Je me considère comme un photographe engagé. Et en tant que photographe engagé, je me dois de dénoncer certains mots, certains faits, des vécus de la société à travers mes œuvres. Parce que moi, je me considère un peu comme le Stendhal de la photographie. À travers mes images, je me balade dans la rue et je montre ce que certaines personnes n'arrivent pas à voir. Ben came up with the concept More Than a Paper, which highlights the importance of reading. More Than a Paper, c'est bien plus que du papier, comme je le dis, le titre le dit. More Than a Paper, c'est toute une thématique, toute une idéologie qui vise à montrer la place, l'importance du papier écrit. Donc, généralement, j'utilise des journaux, des livres et d'autres trucs pour non pas seulement dénoncer certains faits de société, mais aussi essayer d'éduquer, de permettre aux gens de voir la littérature, la lecture surtout, comme je la vois. L'idée de More Than a Paper aussi, principalement, je la dois à Monsieur Abdoulaye Mazou, père à son âme, qui nous a quittés récemment. Il me disait toujours, les jeunes ne lisent plus, vous ne lisez plus, vous faites des fautes dans tout ce que vous écrivez. Et il avait horreur de ça, vraiment il avait ça en horreur. Les jeunes ne s'informent pas, les jeunes ne lisent pas. Et quand je dis jeunes, ce n'est pas forcément les moins de 25 ans, non, même il y a des... On compte sur 100 personnes aujourd'hui, combien lisent des journaux. C'est une façon de dire qu'on peut s'éduquer à travers la lecture. L'éducation n'est pas seulement ce qu'on va apprendre à l'école. As a committed photographer, some concepts are not often appreciated or are misunderstood by the public. J'ai eu à travailler sur d'autres projets qui ont été vraiment mal perçus par le public. Sur Instagram, j'ai perdu près de 800 abonnés, voire 1000 abonnés, d'un coup comme ça, en l'espace de 3-4 jours, à cause d'un projet que j'avais posté. Le projet en question, c'était un nu artistique qui traitait sur la valeur même de l'Afrique et du pourquoi, de son frein, de son retard dans sa croissance. Un peu. J'ai essayé à ma façon de représenter ça en image avec une demoiselle que j'avais recouverte d'une bombe dorée. Donc sa peau était dorée, la demoiselle. Le doré sur sa peau symbolisait que l'Afrique vaut de l'or. On voit un peu. Et j'ai utilisé une femme, non pas un homme. Pourquoi? Parce que la femme, c'est le berceau de l'humanité qu'on assimile généralement à l'Afrique. Ce genre de truc et tout. Mais les gens n'ont pas essayé de chercher au-delà de ce qu'ils voyaient, ils se sont juste limités au nu et bam, scandale, je me désabonne. Voilà. Besides socially engaged photography, Ben equally does professional photography. Pour vivre de son art, il faut faire du chiffre. Et puis les consommateurs, les prospects autres, l'art ne les intéresse pas, vous voyez un peu. Ils sont beaucoup plus intéressés par le beau. Donc, en dehors d'être un artiste engagé, je suis aussi un artiste du goût, un artiste du commercial. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de fonds, on a besoin de matériel, tout ce que vous voyez là. Et ça coûte énormément cher. Donc du coup, on se sert du commercial. Moi particulièrement, je me sers de ma photographie commerciale pour financer mes projets engagés. To him, being always behind the camera to capture emotions makes photography magical. Ce qui me passionne réellement dans ce truc, il y a comme une petite magie, vous voyez un peu. À chaque fois que je clique, je capture pas seulement une image, je capture une émotion, des sensations, tellement de choses. Et puis le fait de retranscrire tout ça numériquement dans un truc qui peut être vu et apprécié par des milliers de personnes, vraiment, c'est un truc de tellement magique. Je suis amoureux de ça. Je sais pas comment je vais vous dire. Si une goutte d'eau valait un océan, alors je ferais un océan à la photographie, voilà. Benvinia, who is equally a cinema lover, is currently working on a short film with Michel-Ange Underwood and Ahmed Moutala. Depuis tout petit, j'ai beaucoup regardé Kirikou, mais
J'avais jamais réellement compris ce qu'avait vécu Karaba. Et je suis sûr qu'ils sont nombreux aujourd'hui qui ne savent pas, qui ne connaissent pas l'histoire de Karaba la sorcière. Et on s'est dit, à la suite du projet de mon collaborateur Raoul Delors sur la photo de Karaba, pourquoi ne pas faire un court-métrage qui explique au public réellement ce que cette femme a vécu. Parce que pour moi, son histoire, vraiment, ça me fait mal. Elle s'est réfugiée dans la colère, la haine et tout. Pourtant, à la base, c'était une femme avec un grand cœur, mais qui a subi des abus venant des guerriers du village. Voilà. After facing many hurdles in other sectors of life, he found refuge and love in the camera. Ben relies on tutorials online to perfect his passion for photography, which he discovered after a stint in a modeling company.